On va résumer le septième chapitre du livre La Ferme des animaux de George Orwell. Ce chapitre, il est parfois un peu ironique. Ironique, cela signifie qu'il utilise l'humour en exprimant le contraire de sa pensée. Par exemple, George Orwell écrit "Perfides, les humains feignaient d'ailleurs de ne pas croire à la culpabilité de boules de neige." D'après eux, le moulin s'était écroulé pour la simple raison qu'il n'était pas assez solide. Ce que veut nous montrer George Orwell, et ça c'est très présent dans son autre roman 1984, c'est que la vérité est présentée comme un mensonge, et le mensonge comme une vérité. Napoléon, qui prétend que Boule de Neige a cassé le moulin, il est accepté comme une vérité. Et les échos qui nous viennent de dehors en disant que le moulin s'est écroulé à cause de la tempête, la vérité à laquelle chacun a pu assister et a pu la constater de ses yeux, on la dénonce comme étant un perfide mensonge. Et ça, c'est très typique de Orwell. Enfin, pour ces deux romans les plus connus, c'est ce monde complètement fou où les menteurs passent pour des gens honnêtes et les vérités sont présentées comme des mensonges. Et ça va être présent dans tout ce chapitre. Par exemple, quand M. Wyamper vient, on remplit des barriques avec du sable et dessus, on met quelques grains de blé et on le conduit au milieu des barriques pleines pour lui faire croire qu'on ne manque de rien, alors qu'en fait, c'est la famine. On a vendu le blé, ils ont dit aux animaux, donc Napoléon et ses sbires ont dit, oui, mais vous pourrez manger des pommes de terre, sauf que les pommes de terre... Elles ont été mal ensilées, elles ont été mises dans des silos sans avoir de, de paille suffisamment pour les protéger du froid. Donc du coup, elles sont à moitié gelées, décolorées, pourries, immangeables. C'est quasiment la famine. Mais le devoir de bon citoyen, c'est de mentir, c'est de ne pas laisser voir au monde extérieur que à l'intérieur de la ferme, c'est la famine. Donc Napoléon, qu'est-ce qu'il peut faire Il y a au bout d'un moment, il peut plus voiler la face. Les gens meurent de faim. Donc il a une idée, c'est de vendre les œufs des poules pour pouvoir acheter du blé pour nourrir sa population. Donc il fait encore une fois une annonce officielle en disant aux poules « Désolé, sacrifice de guerre, on vous prend tous vos œufs, il en faut 400 par semaine, vous ne garderez rien. » Évidemment les poules s'offusquent parce que c'est le moment pour elles de couver, elles tiennent à garder leurs œufs. Tout l'intérêt de, de la fin de l'exploitation de John, c'était de pouvoir vivre librement et de ne plus sacrifier leur futur poussin naissant. Donc les poules, elles, hors de question, on ne leur fait pas, elles refusent, elles montent sur le toit et elles se mettent à pondre du haut des corniches. Donc les œufs tombent sur le sol et s'éclatent. Elles préfèrent encore les, les sacrifier pour rien, qui s'écrasent par terre, plutôt qu'on leur demande de les sacrifier pour ce gouvernement. Mais Napoléon y monte le reste de la population contre elle, ou en tout cas il terrorise la population pour les empêcher de se solidariser avec cet élan de, de rébellion des poules, en disant qu'il est interdit de leur donner le moindre grain de blé à manger, et que si quelqu'un leur apporte quoi que ce soit, il sera exécuté. Au bout d'un moment, il y a cinq poules qui meurent de faim et les autres se rendent. Il y a un autre événement de politique extérieure qui est un petit peu euh, risible encore, parce que George Orwell... Euh, je ne sais pas si c'est de l'humour ou du cynisme. Je crois que c'est beaucoup plus du cynisme que de l'humour. Mais il fait remarquer que Napoléon veut vendre du bois, qui est du bon bois de construction. Et il hésite entre les deux fermes voisines. Les deux fermes voisines, elles représentent euh, les pays autour de l'URSS. Et finalement, le commerce s'est mis en place avec ces pays-là tout en prétendant qu'on n'en avait pas besoin. Et de la même façon, chaque fois qu'il veut vendre son bois à l'un de ces pays, il dit que l'autre... Héberge boule de neige. Et Rebelotte, quand euh, il se dit finalement qu'il va peut-être vendre à l'autre, il dit que finalement boule de neige est certainement chez les premiers. C'est une véritable chasse à l'homme. Hein. Boule de neige est accusée de tous les maux. D'ailleurs, une nuit, euh, Napoléon va rassembler tout le monde et va dire euh, boule de neige s'introduit sur la propriété et il a des alliés. Il se balade, il renifle avec son groin le sol et il dit qu'il sent son odeur. C'est un peu l'idée qu'il y a des traîtres infiltrés parmi la ferme. Et il y a eu en URSS, comme dans tous les mouvements dictatoriaux, d'horribles purges dans lesquelles tous les opposants sont exterminés. Des façons les plus horribles qui existent par la torture, les exécutions publiques, tout ça. Et c'est ce qui est raconté dans ce chapitre. Donc notre cher cochon, Napoléon, y convoque tout le monde en disant ⁇ Finalement, Boule de neige, avec qui est-ce qu'il est complice C'est avec John. Les animaux sont effarés. Et champion qui est inattaquable parce que c'est un brave reconnu par tous, il est toujours en train de travailler du matin au soir. Il dit Ça, je ne peux pas le croire parce que pendant la bataille, on s'est battu ensemble, il était à mes côtés et j'ai vu à quel point il s'est battu contre John. Baratin intervient, pas de souci, il dit Mais oui, mais c'était justement une feinte, une excuse, une technique pour nous faire croire qu'il était contre John, mais tout ça, c'était du cinéma, c'était de la comédie, il s'est pas vraiment battu. Il dit Je ne crois pas que Boule de Neige est un traître. Alors Baratin intervient d'un air menaçant Il dit Napoléon, notre chef à tous, a dit que c'était un traître. Et Champion, qui est un brave, il dit Ah, bah oui, bah si Napoléon l'a dit, c'est certainement vrai. Mais on voit que lui, il a besoin d'être convaincu, Champion. Quatre jours plus tard, Napoléon, il s'est donné à lui-même ses médailles de euh, héros animal, première classe et seconde classe. Il convoque tout le monde, il a l'air mauvais, il siffle et il fait venir les chiens. Et là, les chiens vont attaquer quatre gorées. Les gorées, c'est des cochons comme Napoléon. Mais c'est ceux qui sont les plus jeunes et qui trouvent que c'est injuste que Napoléon ait le pouvoir et qui se sont plusieurs fois opposés. Et il les fait traîner par les chiens, qui les mordent, qui leur mettent les oreilles en sang. Donc, ça, ça représente clairement la torture. Et il leur dit avouez tout. Et alors les cochons vont dire, ah oui, on avoue, on était des agents infiltrés par Boule de Neige. C'est vrai, Boule de Neige, c'est un agent extérieur et c'est vrai qu'il est infiltré. D'ailleurs, nous-mêmes, on travaille pour lui. Quand ils finissent de confesser publiquement leurs crimes, ils sont égorgés par les chiens. Ensuite, les trois poules qui avaient été les, les leaders du mouvement de résistance qui refusaient de livrer leurs œufs, il les fait monter sur scène. Pareil, elles avouent, elles disent oui, en fait, si on a refusé, c'est parce que on était poussé par boule de neige. Et là, Orwell, il est encore euh, extrêmement cynique. Il dit, euh, c'est boule de neige qui nous a inspirés parce qu'on a rêvé de lui en dormant. C'est un peu se moquer, se foutre de la gueule du monde, clairement. Les poules, elles ont rêvé de boule de neige, donc elles sont coupables. Il écrit simplement, elles aussi furent massacrées. Et puis, il y a une oie. Et on utilise souvent le terme une oie blanche pour dire que quelqu'un est, est innocent et naïf et quelqu'un de, de simple de sincère et l'oie elle elle va être aussi exécutée en public parce qu'elle va avouer avoir picoré six grains de blé enfin six épis de blé pendant la récolte on voit que le délit est infime c'est poussé jusqu'au ridicule il y a aussi un, un mouton qui est accusé d'avoir uriné dans l'étang et deux autres, les moutons, ils sont présentés vraiment comme les idiots du groupe. Hein. C'est eux qui ont des slogans, etc. Et à quoi se sont amusés deux idiots de moutons à faire courir un vieux bélier Et il a couru autour d'un feu alors qu'il était déjà malade. Ça l'a fait beaucoup tousser et il est mort. Et donc on exécute aussi ces deux moutons-là. Mais c'est pas un livre drôle hein, parce que euh, il parle de l'odeur du sang qui flotte dans l'air et de la pile de cadavres. Il y a Champion qui voit tout ça, et, et Champion, c'est peut-être un de ces personnages qui sont attachants. Il dit Je ne comprends pas, je n'aurais pas cru que ce genre de choses puisse arriver ici, c'est sûrement notre faute. La solution, à mon avis, est de travailler plus dur. Et Champion, lui, euh, il laisse tous les cadavres en place et il s'en va, il retourne travailler à son moulin. Du coup, les animaux, ils n'arrivent pas bien à réfléchir, ils ne sont pas intelligents comme les Napoléons. Mais ils voient bien qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas normal. Ils ont de la peine. Et ils se couchent tous les uns à côté des autres, blottis contre, contre Liseron, la jument, donc, qui est en couple avec Champion. Et ils sont tellement malheureux, tellement incapables de mettre des mots sur ceux qui vivent, qu'ils se mettent à chanter Bête d'Angleterre. Mais cette fois, ils le chantent pas comme un chant révolutionnaire, mais plutôt comme une lamentation. Ils le chantent plus gravement et plus tristement. Le lendemain matin, Baratin arrive et il décrète qu'il est interdit de chanter Bête d'Angleterre. Encore une fois, il y a un malaise. Les animaux, ils ne comprennent pas comment et pourquoi on peut leur interdire de chanter l'hymne qui est à la base de leur idéologie, qui est la raison même pour laquelle ils ont fait cette révolution. Et Baratin retourne la situation, comme à chaque fois. Il dit Oui, mais ça, c'est un hymne révolutionnaire. Maintenant, on ne doit plus se révolter puisqu'on a tout ce qu'on a toujours rêvé. On a obtenu le règne des animaux, donc c'est plus la peine de se plaindre. D'ailleurs, on va mettre en place une nouvelle chanson. Et cette chanson, c'est Ferme des animaux, ferme des animaux, toujours me garderai de t'infliger des maux. Et par quoi est remplacé le chant révolutionnaire Il est remplacé par un chant de propagande. Un chant qui dit qu'il ne faut jamais infliger des maux, c'est-à-dire faire du mal à la ferme des animaux et elle est incarnée par qui Bien évidemment par son gouvernement. Donc au lieu de, de pousser les gens à la rébellion, maintenant il y a un champ qui pousse à obéir et à servir le gouvernement. Il est extrêmement bien fait ce livre, parce qu'il nous montre tous ces petits mécanismes, et en même temps il joue aussi sur l'émotion. Quand on lit ce chapitre, on est ému. On a de l'empathie pour ce peuple qui se fait embrigader, et ça remplace peut-être cette incompréhension qu'on peut avoir Face à des grands mouvements dictatoriaux de cette époque, comme le nazisme ou encore là le, le communisme dans son plus mauvais aspect. Mais le propre d'un livre, c'est qu'il ne nous éclaire pas que sur le passé, mais aussi sur le présent. Et quand on voit autour de nous plusieurs euh, régions du monde dans lesquelles il y a ces régimes extrêmement violents et qu'on peut parfois s'interroger euh, légitimement sur pourquoi est-ce que les gens se soumettent à, à des régimes aussi injuste et médiocre, eh ben on trouve dans ces pages des bribes de réponses. Et aussi, comme j'en ai parlé dans ce livre, je fais un petit peu de pub pour 1984, l'autre livre très célèbre de George Orwell, qui est au contraire plutôt une critique de notre société. Ça nous est un petit peu moins étranger, et c'est quelque chose qui résonne toujours très fort pour nous, parce que ça parle de choses que nous on appelle maintenant des fake news. Tout, l'influence des médias, tout ça. Et il fait pareil que dans ce livre, il l'explique de l'intérieur avec des petites choses et il nous montre un petit peu ses mécanismes. Allez, fin du résumé de ce chapitre. C'était La ferme des animaux, le chapitre 7.